La famille RPG Arc-en-Ciel, bonsoir. Bonsoir à mon père, mon champion, le champion des champions, le président Alpha Béni Bâtisseur Condé. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut, c'est Alpha Condé. Nous sommes là, pas de recul. Moi, pour le président Alpha Condé, je donnerai ma vie. Je l'ai dit et je le répète et j'assume aussi mes propos. Vous savez, il y a les gens qui confondent pardonner et avoir peur de la personne. Moi, personnellement, je n'ai pas peur de quelqu'un et je n'aurai pas peur. Je peux pardonner, je peux accepter, je peux laisser tomber les choses. Mais comme vous, les moutons de l'IFDG, vous confondez les choses. Vous confondez, vous pensez que quand on vous pardonne, c'est qu'on a peur de vous. Vous n'êtes rien, vous ne représentez rien, les moutons de l'IFDG. Je parle, moi je ne les appelle même pas bar café, parce que dans bar café, il y a ces bar café, tu es relax. La radio de Lamine Guirassy, ces boîtes de sardines, ils sont très mal à l'aise. Lamine Guirassy, Espace FM, il y a un de tes travailleurs qui a dit aujourd'hui que le président Alpha Condé, il y a des militants qui sont d'une autre ethnie, qui soutiennent le président, mais qui ne se sentent pas à l'aise. Même Dieu, seul Dieu qui sait ce qui se trouve dans le cœur de quelqu'un. Même les anges, c'est quand tu parles, ils notent. Mais tes pensées là, ça aide, ça, eux, ça, ils n'ont pas droit et accès de connaître. Mais toi, dont je ne sais même pas comment tu t'appelles, mais tu sais, tout le monde sait aussi, ceux qui t'ont regardé ont compris de qui je parle, qu'il y a des personnes qui sont d'autres communautés qui soutiennent le RPG aujourd'hui, qui ne se sentent pas à l'aise parce que tout simplement, quel discours du président, le président a dit quoi? Tout ça, c'est ce qui fait mal dans tout ça. Même les soi-disant intellectuels ne comprennent pas français. Les soi-disant intellectuels, non, je suis dessus encore de plus. Qu'est-ce qu'Alpha Condé a dit? Moi, je vous dis personnellement, son discours de Cancan et de Sigiri, si le président Alpha Condé avait dit, toute personne qui votera, toute personne, tout malinqué, qui va voter pour un autre candidat, a voté pour l'ethnie Peul, sous la tombe de mon père, j'allais quitter le RPG Arc-en-Ciel. J'allais démissionner du RPG Arc-en-Ciel. Hey, moi je crois tellement en Dieu que rien ne peut m'effrayer. Je n'ai peur de rien. Je vous dis, nous sommes 28 les enfants de mon père. Et parmi les 28, je suis la seule. Je suis sa seule fille, son seul enfant qui est né avec des prières, qu'on a prié Dieu. 9 ans après que moi, ma mère m'a eu. Donc, tout ce qui n'est pas Dieu, là, c'est faux devant moi. Je crois tellement en Dieu que... Et ce n'est pas moi, c'est un don de Dieu. Tous les grands Walus ont fait des prières pour que moi, je vienne au monde. Donc, je crois tellement en Dieu que rien ne peut m'intimider. Rien ne peut me stopper quand j'ai envie de faire des choses. Je ne crois qu'en Dieu, je n'ai peur que de Dieu. Je respecte les êtres humains, je considère les personnes qui sont respectées et les personnes qui sont conscientes et les personnes qui savent ce qu'ils veulent dans leur vie. Le reste là, ce n'est pas moi mon problème. Moi aujourd'hui, Alpha Condé fait un truc qui touche la communauté Peul, ma communauté. Je vais lui dire, papa, je n'ai pas aimé, arrêtez ça. Il répète, je lui dis, papa, je ne suis pas là pour vous accompagner à faire du mal. À moi, mon ethnie.
Tout le monde sait qu'Alpha Condé, c'est un homme de Dieu, c'est un homme de paix. Alpha Condé, c'est un homme qui pardonne. Alpha Condé, c'est un homme de paradis. Mais vous, la communauté IFDG, la haine que vous avez, vous allez mourir avec ça. Toi, Lamine Guirassy, je te mets en garde. Toi et ta boîte de sardines, là, je te mets en garde. Aimer Alpha Condé, ce n'est pas une obligation chez moi. Mais respecter Alpha Condé, c'est une obligation. Toute personne qui va manquer du respect à Alpha Condé. Moi, je ne vais pas venir ici m'asseoir et insulter. Mais je vais envoyer des gens, je vais les faire venir, ils vont s'asseoir. Ils vont t'insulter, Lamine Guirassy, mère et père. Insulter ta lignée. Si je ne le fais pas, je ne suis pas la fille de mon père. Toi, Lamine Guirassy, tu es très petit devant nous. Nous, tu es petit devant nous. Même ton prophète là, ton patron là, on n'a pas laissé, c'est Loudalin. C'est pas toi son employé que nous on va laisser. Le rôle d'un journaliste, c'est d'être neutre, de parler, dire la vérité, de soutenir la vérité et rien que la vérité. S'il s'agit de parler de ces Loudalin, personne ne vous entend parler. Il y a un jeune Peul qui a dit des propos ici. Il dit tous les autres ethnies. Ce Peul, il est là. Je ne veux même pas dire son nom parce que quand je vais dire son nom, là, j'ai mis de la valeur. Moi, la communauté IFDG, je dirais que le nom de ces Loudalin, parce que lui, je l'ai déshabillé, je sais comment il est. Lui, c'est lui mon copain. C'était lui mon copain, c'était lui mon petit copain. Donc lui là, je vais parler de lui. Les autres vagabonds là, moi je ne vais même pas dire leur nom. Donc Lamine Guirassy, tu as la bouche. Vous, c'est vous-même, ça c'est toi-même qui a dit grande gueule. Vous avez des grandes gueules, vous, Espace FM. Mais qui vous a entendu parler de ce jeune qui a traité tous les autres ethnies de chien, sauf son ethnie qui est Peul. Et même toi, il t'a dit que tu es chien. Oui, il a tous les autres ethnies. Il y a un jeune Peul, il est là. Mais personne ne vous entend parler. Quand il s'agit des personnes qui sont proches du président, on dit des choses. Nous sommes libres, nous sommes Guinéens. Nous, on a dit tout ce que Ngélo et moi, on fait là. Personne n'est responsable. Alpha n'est ni responsable. Le RPG n'est pas responsable. Le gouvernement n'est pas responsable. Nous sommes responsables de nos dits et de nos actes. Et on assume. Et devant n'importe qui, on est prêt à assumer. On est prêt à assumer devant n'importe qui. Devant n'importe qui. Devant n'importe où. Si c'est à la CPI, nous, la famille, on est prêt à répondre. Quand il s'agit de parler, pour parler, vous êtes number one. Pour chier sur le président et les proches du président, vous êtes number one. Lamine Guirassy, moi, Fatou Ngélo, je te mets en garde. Tu peux critiquer le gouvernement comme tu peux critiquer l'opposition. Mais quand on voit, on sait déjà, tu as une position, tu as pris une position. Je vais envoyer des gens, ils vont te déculoter plus que la façon dont on a déculoté ces Loudalin. Ça, c'est moi. Alpha Condé, c'est un homme à respecter. Ça, c'est fini, ça. Cette pagaille-là, c'est terminé. Nous, on ne peut pas aimer quelqu'un, être proche de la personne, et on voit des vagabonds, des petites personnes qui cherchent quoi bouffer, sont là en train de manquer du respect à cette dernière, et puis on reste bras croisés. Moi, je donnerai ma vie pour Alpha Condé. Moi, j'ai même fait le testament. Wallahi billahi, mon testament est là. J'ai 2 enfants, j'ai tout mis, j'ai écrit, ça est là. Donc, je suis prête à mourir, même là où je suis assise là, pour le président. Nous sommes très différents des autres. Nous ne sommes pas comme les autres, un pied ici, un pied là-bas. Non, quand on est avec toi, on est avec toi. Quand on est avec toi, on est avec toi. Quand on est avec toi, on n'a même pas besoin de dire. C'est le monde qui va être témoin. C'est Loudalin. C'est un bordel, c'est un salaud, c'est un ingrat. On a tout donné à c'est Loudalin. Vous savez la différence entre celle et Alpha, c'est quoi? Alpha Condé n'est pas une personne qui néglige les personnes qu'il aime. Il n'oublie personne. Alpha Condé, moi à la place de ces Loudalin, l'amour et le respect et considération qu'on a donné à ces Loudalin au passé, si c'était moi à la place de ces Loudalin, la famille là,
Même si c'était mes enfants qui voulaient leur manquer, j'allais prendre la défense de ces personnes-là. J'allais dire à mes enfants, si vous m'aimez, la famille est aussi à respecter, à considérer, à soutenir. Mais comme c'est un fils de pute, comme c'est un salopard, comme c'est un ingrat de haut niveau, comme il ne sait pas ce qu'il veut dans sa vie, il nous a laissé partir. En se gonflant, en se dire que non, vous, vous n'êtes rien. C'est pourquoi on va lui montrer que nous sommes quelque chose dans ce pays. L'histoire retiendra que dans ce pays, il y a une famille Ngeloy qui a mis fin à la carrière politique de Sello Dalé, qui a mis fin à l'ethnocentrisme de Sello Dalé, qui a mis fin à l'idée de division de Sello Dalé. Moi, je m'en fous. C'est pourquoi la dernière fois, j'ai vu des salopards raconter du n'importe quoi sur le DG de l'ANEIM, qu'il est assis, il y a son ministre qui est où, je ne sais où, des menteurs de haut niveau. J'étais avec le DG de l'ANEIM. C'est nous qui sommes venus en première position. Il était là, c'est lui qui recevait les gens. Il était là, c'est lui qui accueillait les gens. Il est venu, il était assis. Il y a eu une dame qui était là. Il s'est levé, la dame s'est assise. Après, il était là, adossé. Moi, j'étais là, assise. Il y a eu le ministre des Mines qui est venu. C'est moi qui me suis levée. Je lui ai cédé la place. DG, l'ANEIM, il n'était pas assis. Il était adossé. Donc, le ministre ne pouvait pas être là. Je me suis levée. Le ministre des Mines, il s'est installé. Après, il y a mon frère Ousmane Sampil qui était là aussi, assis derrière. Le ministre des Télécommunications est venu. Quand lui, il est arrivé, Ousmane Sampil aussi s'est levé. Il s'est installé. Mais comme il y a des aigris aussi qui parlent du n'importe quoi, que non, Alpha Condé n'est pas comme Sello Dalé. Hein. Alpha Condé, il connaît les personnes qu'il aime. Il connaît les personnes qui font du bien pour les autres. Et attention, je vais vous dire une chose. Vous savez, pour le moment, on a un combat à mener contre le Satan Sello Dalé. Pour le moment, c'est ça. Après ça, là, les élections, après les résultats, après quand le président Alpha Condé va être encore président dans ce pays, on va mener un combat contre les gens qui ne sont pas proches du peuple. Nous, on s'en fout. Si un ministre n'est pas proche des peuples, on s'en fout. Nous, on préfère un chef de quartier qui est proche du peuple qu'un ministre qui est loin du peuple. Ce n'est pas notre problème. S'il est ministre, c'est le peuple qui l'a mis ministre. C'est le peuple qui a voté pour le président et c'est le président qui l'y a nommé. Donc, s'il n'est pas proche du peuple, donc on s'en fout. Et après ça, là, c'est ce combat qu'on va mener. Après octobre, là, les nouveaux opposants, là, ça va être des anciens ministres du président Alpha Condé. Parce que toute personne qui n'est pas proche du peuple, toute personne qui n'est pas là pour accompagner le président, à aider les personnes qui ont souffert derrière le président, qui ont souffert depuis le temps de je ne sais en quelle année pour ce parti. Si ce ministre vient, il pense que c'est les 2010 et 15 passés là, on ne va plus accepter ça. Les ministres qui vont être là, c'est les ministres qui vont penser à la population, pas que seulement à eux et à leurs enfants et à leur famille. On en a marre, on va mettre fin à ça. Mais tu ne peux pas laisser un serpent pour choter un serpent pour aller tuer un autre serpent. On a un grand problème. On a l'ennemi de la Guinée qui est en face de nous d'abord. Il faut mettre fin à ce Satan Sello Dalé. Maintenant, on va faire face aux personnes qui sont loin du peuple. Moi, je dirais la vérité à qui que ce soit. Si vous voyez Alpha Condé même, c'est parce que je le prends comme mon père, c'est pas moi. Je ne le vois pas en tant que président, je lui parle en tant que fille. Je lui parle comme une fille parle à son père. Et il m'a souvent écouté. Quand je lui parle, il m'écoute. Parce qu'il sait que je ne mens pas. Il sait que je n'ai jamais parlé de moi. Papa, je veux que tu fasses ça pour moi. Papa, je veux que tu me donnes ça. Papa, non, il sait. Si moi, je lui parle de quelque chose, c'est que c'est pour une personne. Je suis fière. Il me regarde, c'est comme pour dire, Fatou, toi, tu n'as pas de problème. Toi, tu ne peux pas parler de toi. Je n'ai jamais parlé, moi, de mon problème. Je n'ai jamais dit, papa, j'ai besoin de ça, je veux ça, je veux ça. Alors, nous, on s'en fout des escrocs. On sait, je vous ai dit, vous savez, il faut être juste.
Même moi, ma mère, elle a 6 gosses. Les 6 gosses de maman. Oui, allô? Oui. Ça va? Oui. Langue de direct, langue sourde, qu'est-ce que tu veux? Que tu veux quoi? Qu'on fasse? Quand on est boss, on a dit. Corbon Bess, c'est toi mon patron. Hey, garde bien mes canjogis. Langue direct. Quand nous marrons quoi, là, il me bénit. Sous nana, il me sait, là, quand il me boit, tu n'es pas en forme d'abord. Tu vois ce que la mine Girassi, sardine, boîte sardine, Macron, ce qu'ils ont dit sur le président. Tu sais, le Guinéen Corbon, il y a un de ces travailleurs qui a dit que nous, que y a de, bon, il a dit qu'il y a des communautés, dans, il y a une communauté dans le RPG qui n'est pas fière aujourd'hui d'être avec Alpha, qu'il a donc dit des propos ethniques. Qu'est-ce que Alpha Condé a dit? Tu sais ce qui fait mal, Corbon, les gens, les soi-disant cadres là, ne comprennent pas français, nous yurmi. Si Alpha Condé disait dans son discours, Corboya, si il disait que toute personne qui va voter pour un autre candidat a voté pour un peu, tu allais démissionner, j'allais démissionner, il allait démissionner. Mais il a dit toute personne qui vote pour un autre candidat, il a voté pour celui. Où est le problème? Le nommé de la Guinée aujourd'hui, ce n'est pas celui d'Alain. Il est le Satan. Il faut le dire les 4 vérités. Na ko suudino ko professeur Alpha Condé haliko ko hore haiga kala votando opposando hala yo ando votani chelou dale e dun non kadi message makko ko message wonto clair ko honnu kala votando opposant bebe hala votani chelou dale e ote aso halikati e chelou dale e l'ennemi de la Guinée. Celle d'Alé est l'ennemi de la Guinée. Celle d'Alé n'aime personne. Même la communauté Peul, il n'aime pas. Il n'aime que sa communauté IFDG. Parce que eux, ils sont bêtes, ils sont moutons, ils savent pas c'est quoi la réalité de la vie. Il est mauvais, celle d'Alé, son Satan. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous, on soutient le président. Et j'ai dit à Lamine Girassi, à partir d'aujourd'hui, j'ai pas dit d'aimer Alpha Condé, mais respecter Alpha Condé, Corboya, ils sont obligés. S'ils ne respectent pas Alpha Condé, moi, je vais faire venir des gens qui vont insulter la lignée de Lamine Girassi. Là où on n'a pas eu peur de son patron, celle d'Alé, c'est pas lui, son employé, on va avoir peur, Corboya. Corboya, il faut qu'on se lève, qu'on se bat, les gens, là, il faut qu'on barre encore la route pour ces farfelus-là. Il y a eu un salaud Peul qui a parlé ici. Il a dit tous les autres ethnies qui n'est pas Peul. Sauf il n'a épargné que la communauté Peul. Que les autres ethnies, c'est des chiens. Tu as entendu Lamine Girassi et sa boîte de sardines dire quelque chose sur ça? Non. On a bien fait. Donc, Ndion, je viens à tout à l'heure. La garde donc. Hein? On a bien fait. Le président Alpha Condé a bien fait. Ote panga la passe. À Fatara, Alpha Condé Fatara. Vous avez eu mal parce que vous êtes des diviseurs. Vous avez. Hé, hey, la forêt là. Hé, hey, la forêt, c'est des hommes de. Eux, ils ne parlent même pas. Ils sont comme Docteur Diané. Peu de paroles, beaucoup d'actes. C'est ça, une personne. C'est pas de parler. Bala, 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 bala. Vous avez vu Docteur Diané? Il ne parle pas. Tout ce qu'il dit. C'est que c'est nécessaire, c'est important. C'est des choses, oui, c'est quand c'est important, il parle. C'est quand c'est nécessaire, il parle. La forêt est comme ça. Et il fait beaucoup d'actes. Il y a plus d'actes que de paroles. C'est ça, un homme. Si vous avez une forêt, vous avez une idée. La communauté IFDG, vous êtes des perdants. Vous avez perdu. Vous avez eu honte, vous avez vu partout. Vous avez vu la Haute-Guinée. Vous avez vu la forêt. Parce que tout ça, les micmacas que vous avez fait, des montages que vous avez fait, vous avez payé des gens, vous avez embarqué des gens ici, des militants moutons de l'IFDG. Ils étaient à Zéro Corée. Il y a eu des tueries là-bas. Les militants de l'IFDG ont quitté pour aller tuer des gens, pour saluer aussi le gouvernement et le président. Donc vous êtes choqués de fait de voir hier ce que Zéro Corée a fait. Tellement que le président est content, vous avez vu ce qu'il a fait. C'était une fierté. C'est que je t'ai dépassé.
Et vous avez vu aussi la photo du PRAC. Vous avez vu comment il est. Vous avez vu le PRAC qui a 84 ans. Et le Satan Seludalen qui a je ne sais quel âge. Ils n'ont pas. Hey, le président, c'est un homme. C'est un vrai homme. Lui, il a consacré sa vie sur les études. Comment développer ce pays. Comment il a consacré sa vie. Il s'est dit toujours, je vais être président de la République. Et pour être président de la République, histoire de femme là, il faut que je mette ça en dernière position. Histoire de blague là, il faut que je mette ça en dernière position. Il s'est concentré sur les études. Alpha Condé. La différence, c'est pas l'âge, c'est quand tu te prends bien. Tu prends bien soin de toi. Tu n'es pas tripoté. C'est l'oudalé, c'est un langoué. C'est un langoué. Il est fini à son âge là. Aujourd'hui, tu demandes à Selou Alpha de taper, de quitter Pont 8 novembre, aller en ville. Selou ne peut pas. Parce qu'à Baragnon, Alpha Condé a quitté. Il a marché du palais du peuple en ville à pied, à son retour là. Il marche. Il fait le sport. Selou, il est diabétique, il ne peut rien. Les filles ont fini Selou Dalin. Ces reines là sont finies. C'est un langoué de haut niveau, un gestionnaire qui veut être président aujourd'hui. Il pense que c'est comme ça, hein? La politique, c'est pas comme ça, c'est pas du jour au lendemain. Tu vas pas chuter seulement, tu dis que je suis politicienne. Moi aujourd'hui, je suis bien placée que c'est l'Oudalé, parce que je suis née dans la politique, j'ai grandi dans la politique et j'ai côtoyé les vrais gens, les vrais politiciens, mon père, les Ba Mamadou, les Ba Ousmane, les Ba Ouri aujourd'hui. J'étais très proche d'eux. Tous les jours, ils étaient à la maison. Donc, nous, on vous dit, le combat que nous sommes en train de mener, nous sommes fiers de mener ce combat. Nous sommes fiers de soutenir le président Alpha Condé. Nous sommes fiers d'être au RPG Arc-en-Ciel. Nous sommes fiers des militants et sympathisants, les nobles fils des personnes qui soutiennent le président Alpha Condé. On dit merci à tout le monde. Merci aux personnes qui sont là, qui soutiennent le président, qui défendent le président sans s'attendre à quelque chose, juste parce qu'ils ont compris la vérité. Le prostitué, c'est l'Oudalé. Le salopard, c'est l'Oudalé. Le fils de pute qu'il est. Hein? Le Satan, c'est l'Oudalé. Lamine Girassi, tu as la gueule. Pourquoi de parler, vous ne parlez pas? Pourquoi vous n'ouvrez pas vos gueules, vos grandes gueules là? Vous n'ouvrez pas vos gueules pour dire que c'est l'où tu as trahi ta communauté? Parce que tu avais dit ici, tu n'iras pas aux élections. Tu as refusé d'aller aux élections législatives. Pourquoi tu es allé aux élections présidentielles? Tu as trahi ta communauté. Tu as trahi tes militants. Lamine Girassi, tu as la gueule, tu ne dis pas ça. Moi, je te mets en garde. Hey, moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Je te jure, quand tu critiques le président, tu critiques Selou Dalin, je vais te laisser en paix. Mais tu ne peux pas te baser sur Alpha Condé seulement. Tu laisses le Satan qui est là, Selou Dalin, et nous, on va te pardonner. Je vais envoyer des gens, je le dis et puis j'assume. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a envoyé, c'est ma décision. Je vais envoyer des gens. Ils vont t'insulter, toi, Lamine Girassi. Insulter tout le monde chez vous là-bas. De Amara à Zaworo, et commencez de vos lignées, on descend. Nous, on n'a pas eu peur de votre demi-dieu, ton patron, c'est l'Oudalé. C'est pas toi, son employé, on va avoir peur. Voilà. Si vous êtes prêts là, nous ne sommes plus prêts. Et moi, je suis plus prête. Hey, 2020 là, je veux faire des choses que le monde entier va en parler. Parce que tu joues avec Alpha Condé, tu vas choter, tu vas voir mon truc, tu vas laisser mon corps et partir. Tu joues avec Alpha Condé. Non, je vais mourir. Tu vas choter mon corps. Ils vont dire, ah, il y a le corps de Fatoumé qui est là couché. Si tu vois, on a fait ça, c'est parce qu'elle est décédée. Donc, il n'y a plus de blagues. On ne va plus tolérer, on ne va plus pardonner. Alpha Condé est respecté. Ça, c'est de gré et de force. Ne l'aimez pas, c'est votre choix. L'amour, là, on a vu ça avec Dieu. Dieu a aimé le prophète Mohammed, paix soit lui sur lui, là. Dans l'amour qu'on peut même pas imaginer. Donc, aimer là, c'est le cœur qui aime. Vous pouvez ne pas aimer Alpha Condé, c'est votre choix. Mais moi, je dis, respecter Alpha Condé, ça, c'est une obligation. Surtout venant de vous, là, vous, la boîte de sardines d'espace, là. Vous êtes là, serré. Vous êtes là, serré. Vous êtes très mal à l'aise, là-bas.
Hein? Vous êtes là, haineux. Hein? Vous ne dites jamais la vérité. S'il s'agit d'Alpha Condé, là, vous êtes prêts à chier, raconter du n'importe quoi. Mais s'il s'agit du Satan Seloudalé, vous prenez vos fesses, vous prenez vos gueules, vous mettez sous vos fesses et puis vous vous flanquez là-dessus. Personne ne dit rien. Moi, j'ai pas dit autre chose. Hein. J'ai pas dit une autre personne. Mais, Alpha Condé, moi, Fatou Ngeloué, Billahi Wallahi Talahi, toute personne qui va tenter à manquer du respect à Alpha Condé, je vais te manquer du respect et je vais envoyer des gens. Ils vont manquer du respect à ta lignée. Si je ne le fais pas, je ne suis pas la fille de mon père. Et Alpha Condé n'est pas responsable. Le RPG n'est pas responsable. Le gouvernement n'est pas responsable. On en a marre. 10 ans. Vous ne faites qu'insulter ce monsieur. Hein? Moi-même, je faisais partir parce que j'étais bête et naïve. On était manipulés. Alpha Condé qui ne sait même pas tuer mouche. Même moustique qui ne sait pas tuer. Vous êtes là à raconter. Vous êtes des rebelles. Vous êtes des sanguinaires, vous, la communauté IFDG. Hein? Aujourd'hui, regarde sur les réseaux sociaux. Parce que les gens adhèrent chez vous parce qu'ils ont peur d'être assassinés, ils ont peur d'être agressés, ils ont peur d'être malmenés, ils ont peur de vos grandes gueules, là, vous, la communauté IFDG. Donc, ils adhèrent parce qu'ils n'ont pas de choix. Et moi, ce n'est pas moi, Fatou Ngeloué. Je ne vais pas adhérer quelque part parce que moi-même au sein du RPG, le jour où je n'ai pas dit un ministre ou qui que soit dans le RPG, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas là pour eux. Je suis là pour le président de la République. Je suis là pour le PRAC. Je suis là pour Alpha Condé. Le jour où Alpha Condé va faire quelque chose qui va, moi, toucher à ma dignité, je vais lui dire, papa, j'étais là avec vous. Je m'en vais. Moi, je ne vais pas rester où je ne me sens pas à l'aise. Moi, on ne touche pas à ma dignité. Je ne vais pas soutenir quelqu'un parce que tu es beau ou parce que si on ne te soutient pas, les gens vont te manger. Ce n'est pas ça. Donc, nous, notre combat, c'est de montrer au monde entier que chacun est libre d'aller soutenir qui il veut. Qui il veut. On soutient un monsieur qui est guinéen, qui est malinké. Moi, je suis Peul du Fouta. Je suis de Sombili, je suis Kaldianké. Mais je soutiens le président de la Guinée qui est le professeur Alpha Condé. Je soutiens Alpha Condé. Et je suis fier aussi de soutenir Alpha Condé. Je suis fier d'être au RPG Arc-en-Ciel. Je suis fier. Le RPG Arc-en-Ciel, on les reconnaît par leur chasse, leur amour, leur dignité. Ils sont responsables. C'est ça, le RPG Arc-en-Ciel. Il faut être au RPG Arc-en-Ciel pour connaître c'est quoi la vraie vie, c'est quoi l'humanisme, c'est quoi la sagesse. Alpha Condé, tu es le champion des champions. Moi, Fatou Ngeloué, si le paradis demain, comme ce qu'on entend, que demain, quand on a le paradis, on peut donner à quelqu'un. Sur la tombe de mon père, je donnerai le paradis à Alpha Condé. Moi, mon amour envers Alpha Condé, ce n'est pas manamanade. Si je manque, que je crève dans l'enfer, que je fasse un accident quand je conduis, si ce que je dis là, c'est dans Wobowaoba, l'amour que j'ai pour Alpha Condé, quelqu'un joue avec moi, je veux te finir. Billahi! Sur la tête de mes enfants, sur tout ce que je cherche dans ma vie. Alpha Condé, l'amour que j'ai pour lui, c'est plus fort que moi. Donc c'est à bas la communauté IFDG, à bas la dictature de l'IFDG, à bas à l'idée de division dans ce pays. Il y a un ethno plus que celui dans le farfelu, le salopard là, qui a des propos ici, qui a dit ici, lui il ne compte que sur les sous-sous. Et que les autres malinqués et forestiers, que vous avez vu son discours la dernière fois, c'est les vidéos existent. Hein? Et c'est que là même, il n'aime même pas les sous-sous, il les manipule. Parce que lui, il dit que les sous-sous, c'est des personnes faciles à manipuler. Mais ça, c'était avant. Cheikh Kafan est là, il a aidé la communauté sous-sous, il a ouvert les yeux des gens là. Merci à mon frère Cheikh Kafan. C'est pourquoi Cheikh Kafan aussi, je donnerai tout pour ce monsieur. C'est un homme de parole, c'est un homme qui est digne, c'est un homme qui est prêt à tout pour sa communauté. C'est un homme qui est prêt, il a bien raison. Il n'est pas ethno, hein? Mais
C'est comme si chez toi, ça sent tellement mauvais que tu quittes chez toi parce que ça sent mauvais, tu ne peux pas rester. Tu vas chez ton voisin, chez lui ça sent, tu viens dire, ah, chez toi là, ça sent. Tu ne dis pas, ah, moi aussi chez moi, ah, chez nous là, ça sent, il y a quoi? Non. Donc, ce qu'Afan veut faire comprendre aux autres que la communauté Soussou aussi égale aux autres communautés. Il n'y a que l'IFDG, la communauté IFDG qui minimise toutes les autres ethnies dans ce pays-là. Sinon, les restes-là n'ont pas ce problème. Donc, on en a marre de vous. IFDG, on en a marre de vous. On est fatigué de vos bêtises. Le président Alpha Béni Bâtisseur, il a bien fait à Koussa, là. Je dis encore et je répète, les autres ethnies, si vous vous asseyez ici, jusqu'à ce que la communauté IFDG va prendre ce pouvoir ici, ils vont vous enterrer tous vivants. Tu sais, quand tu es enterré mort, la marche, là, chacun, un mort, son vœu, c'est d'être enterré. Mais quand on est vivant, là, on t'enterre, là. Voilà, tu auras l'enfer d'abord. C'est l'enfer sur terre. Donc nous, le PRAC, c'est à vie. Alpha Condé, c'est mon champion. Je reste fidèle à Alpha Condé. Je soutiens Alpha Condé. Tu ne peux pas parler de l'IFDG sans parler de l'Ajou Marnielo qui est mon père. Tu ne peux pas parler du Fouta sans parler moi de mon père et l'Ajou Marnielo. Tu ne peux pas parler de la coordination sans parler moi de mon père et l'Ajou Mar. Et c'est les enfants de ce monsieur aujourd'hui qui soutiennent le président Alpha Condé. Le Fouta est avec le professeur Alpha Condé. Vous avez mal aujourd'hui parce que tous les lions sont derrière l'éléphant. Kassori Fofana, Ousmba Ousmane, Mouktar Diallo, Domani Ndore, Papa Koli, Banta Basso. Tous les lions, je vous dis, sont avec l'éléphant. Ça vous fait mal, vous êtes rongés. Le baobab, Kassori. C'est lui l'homme de la paix dans ce pays. Il a compris la vérité. Il a compris qu'il était manipulé par l'opposition, par ce farfelu, c'est Loudal, parce qu'il y avait un amour entre eux qui n'a rien à voir avec la politique. Donc, mais heureusement, Kassori a compris que l'amour qui était entre Selou et lui et la politique, c'est différent. Il a compris que Selou lui conduisait dans l'horreur. Il a compris, il est venu proche du président, il a compris. Aujourd'hui, Kassori, c'est comme nous. On s'en veut. C'est que je m'en veux, Kassori a mal aujourd'hui. Tout le mal que nous, on a fait à Alpha Condé. On a mal. Parce qu'on a traité de ce monsieur-là de tout, sans rien. Sans aucune preuve. Juste parce qu'il y a un ethno de haut niveau, un sanguineur, un satan qui est là, qui veut le pouvoir. Qui est ce farfelu bandit qui est Selou Dalin. Il est là, il a traumatisé tout le monde. Il est là, il n'a pas de débat, il n'a pas de cise. Si ce n'est pas dire que c'est Alpha Condé et ça, il n'aime pas les autres, il n'aime pas tel, il n'est pas tel, tandis que c'est faux. C'est lui le Selou Dalin, le Satan, le farfelu, le bandit, le voleur, le langoy qui n'aime pas les autres Guinéens. L'ennemi de la Guinée, c'est toi, Selou Dalin. Tu n'es même pas un adversaire, toi. Tu es un ennemi. Donc aujourd'hui, Kassori a compris la vérité, il soutient, il a même annulé son parti. Merci Kassori, merci PM, merci qu'Allah vous donne longue vie et santé de fer, qu'il vous garde longtemps auprès de mon père Alpha Condé. Merci, merci Zéro Corée, merci Papa Koli, on est fiers de vous, c'est ça les hommes, c'est des hommes de parole. Depuis 2010, il a dit Alpha, je suis avec toi, il n'a jamais bougé. Papa Koli, on te tire. On te dit big up, on te dit merci. Mouktar Diallo a compris la vérité, c'est où? Vous parlez de quoi? Ba Ousmane, depuis 2010, il a compris. Le Fouta est avec le président. Il y a Ba Ousmane, il y a Mouktar Diallo, il y a Banta Masso, il y a Nielo et les dignes fils, il y a Corboya. Même nous, ça va.